Caméra qui s'attarde sur lui, évidemment. C'est lui, hein, le meilleur buteur de l'UEFA Champions League pour l'instant. Salut à toutes et tous. Bienvenue ici dans ce stade qui a fait le plein aujourd'hui. Au micro, ce sera moi, Hervé Matou, vous l'avez compris. Je vais vous accompagner pendant cette rencontre. L'enjeu de ce match retour, c'est bien sûr de poursuivre sa route dans cette coupe. Ouais, les supporters qui continuent d'arriver dans ce stade. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. On se demandait un petit peu dans quelle ambiance ce match retour allait se jouer, avec le résultat quand même défavorable. Oh, il s'est ouvert le chemin du but. Ouais, bien joué dans les buts. Le face-à-face remporté, c'était vraiment dangereux. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Ouais, bien joué Mario Götze dans le trou. Oh l'arrêt! Oh l'arrêt, que c'est propre! Oh l'arrêt en deux temps! L'arrêt en deux temps, première intervention exceptionnelle, et puis le ballon qui est maîtrisé dans un deuxième temps. C'est son premier match, et vous vous doutez que tous les regards sont un petit peu braqués sur lui. Il va s'offrir un duel avec le gardien. Allez, pas de problème. Pas de problème pour bloquer ce ballon. Alors que c'était quand même une réelle occasion de but au départ. Et le gardien qui est sur ce ballon. Ah, c'était une tentative de la jouer en finesse. Mais alors très très loin du cadre. Hein. Attention à ne pas commettre d'erreur. Attention si ça rentre. Et le but. Le premier but dans cette partie. De cette action parfaitement conclue, le petit dribble pour s'offrir un dernier duel face au but, et ensuite il n'y a plus qu'à ajuster. Voilà le score qui est donc ouvert 1-0. Voilà, tentative de jouer ce ballon en finesse, mais alors c'est complètement raté. J'imagine que c'était pas l'intention. Ça peut être dangereux, hein, ce pressing là. Ah, il gagne la possession. Allez, oui, il va y aller. Bon, attention, c'est pas fini. Le défenseur qui repousse finalement le danger. Ils ont eu chaud, hein. Il a bien décroché pour venir chercher ce ballon un petit peu plus bas. Ouais, directement sur le gardien qu'il n'a même pas eu à bouger. Il avance encore. Oh, cette faute qui va donner lieu à un coup franc extrêmement dangereux.
Ballon qui est bien parti, ça passe au-dessus. Sa chance de loin, c'est sans problème pour le gardien. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. Oh, le ballon qui passe très loin du cadre. Un peu de désinvolture dans cette frappe. Attention! Oh oui, il y est! Alors, on voit que ce ballon a bien été touché, effleuré on va dire, mais il rentre quand même. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. La voie est libre. Oh, quelle erreur!